Bonjour à tous les amis mélomanes. Mon invité d'aujourd'hui, c'est un pianiste. Non seulement pianiste, mais musicien brillant et éclectique. On va le voir tout à l'heure. Il est né à Genève. À l'âge de 6 ans déjà, il jouait du violon. Il a ensuite bifurqué vers le piano. Il a découvert l'orgue de cinéma. Ça, c'était aussi d'orientation. Il a fondé un groupe de jazz, le Swiss Tête avec des mélodies euh, folkloriques suisses adaptées. Il a terminé ses études au Conservatoire sur de musique et à l'Université de Genève à l'âge de 26 ans. Et puis, à 28 ans, il créait son propre orchestre, le grand orchestre Nicolas Hafner, puisque c'est de lui dont il s'agit. Bonjour Nicolas Hafner. Bonjour Michel. Voilà, c'est un plaisir que de vous recevoir sur le plateau de l'Anci TV. Je disais tout à l'heure, musicien éclectique, vous vous considérez euh, comme un spécialiste en généralisme. Alors j'adore cette expression. Qu'est-ce que ça signifie euh, On sait ce que c'est pour un médecin, mais pour un musicien. Je vais dire que c'est exactement la même chose. Ça veut dire que la musique est belle sous toutes ses formes. Toutes les musiques sont intéressantes. Et c'est. Cet éclectisme qui me passionne, moi, qui m'a toujours passionné, c'est-à-dire de passer d'un choral de Jean-Sébastien Bach à un tango de Piazzolla, à une bossa nova de Jobim, à un air de Duke Ellington, euh, c'est vraiment ce monde multiculturel euh, qui est riche d'inspiration et, et qui permet de, de me nourrir vraiment profondément. Voilà. Euh, D'où est-ce que vous puisez toute cette inspiration musicale Est-ce que ça vient déjà euh, de, de, de vos ancêtres, de votre famille euh, je suis issu d'une famille de mélomane, euh, donc euh, mes parents euh, jouaient du violon et du piano, ils jouent toujours d'ailleurs, et euh, on a baigné vraiment mes deux frères et moi dans un bain euh, musical, essentiellement euh, classique d'ailleurs, euh, mais ce qui m'a d'ailleurs poussé euh, par curiosité à, à découvrir d'autres choses. Je me souviens d'avoir éc écouté en cachette européen Max Meignier, les routiers sont sympas, parce qu'à partir de 9h, il y avait de la chanson française qui passait, il y avait sous-

euh, ensuite euh, j'écoutais aussi euh, comme ça du blues euh, je me souviens quand j'avais 15 ans j'ai découvert le blues je trouvais ça absolument euh, merveilleux euh, donc il y avait un petit peu le côté euh, cachette comme ça, le côté secret et euh, voilà je me suis euh, vraiment intéressé à toutes ces musiques mais c'est vrai que chaque génération fait pareil, moi je me souviens bien des années auparavant d'avoir écouté européen et le fameux Maurice Birot notamment, <laughs> voilà et salut les copains voilà et puis euh, donc vous faites euh, du jazz, vous faites de la musique classique, vous faites de la musique d'orchestre, vous jouez en soliste, et puis ça c'est pas mal de, de belles rencontres avec des musiciens. Alors c'est ça aussi qui est merveilleux, ça veut dire que dans ch à chaque musique, à chaque style de musique correspond euh, des individus, des mouvements sociaux, des idéaux des individualités. Ça veut dire que quand on passe par exemple d'une soirée recréant à les 60 au jazz à la MR, à, au grand théâtre de Genève, euh, à la basilique Notre-Dame, c'est non seulement des musiques différentes, mais c'est des, des états d'esprit différents, c'est des personnes différentes, euh, c'est des rencontres euh, extraordinaires euh, qui ont toutes leur, leur caractère et, et leur saveur. Voilà, c'est ça la richesse de la musique, et c'est ce que les concerts de Lancy essayent de faire passer auprès du public, ce message, ce message de communication avec les gens, parce que la musique est bien sûr un langage universel. C'est essentiellement ça. La musique, c'est une communication, c'est une manière de parler avec l'autre, c'est une manière de lui exprimer une reconnaissance, c'est une manière de lui ouvrir son cœur, et je pense que. Pour ceux qui ont voyagé un peu, la musique est vraiment un langage universel. Voilà, exactement. Alors, on parlait tout à l'heure de rencontres, de rencontres de rencontre avec du, des musiciens. Vous avez rencontré, euh, il y a quelque temps déjà, un musicien hors normes on dira, c'est un contrebassiste, il s'appelle Franck Côté du Moulin. Il a d'ailleurs joué à plusieurs reprises pour les concerts de l'Ancy dans différentes formations, dont une formation avec le pianiste Jean-Marie Et Comment avez-vous rencontré ce, ce, ce contrebassiste dont on, on va parler tout à l'heure parce qu'il a vraiment une personnalité hors du commun oui, effectivement, ça, ça donne un duo tout à fait particulier parce que c'est un, un vrai virtuose de la contrebasse et il fait corps avec son instrument. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est de voir jouer Franck. Parce qu'il joue beaucoup dans l'aiguille, il joue à l'archet. C'est un mélodiste, euh, il joue des contrechamps, il improvise, il joue au doigt, au, au pizza un peu, mais essentiellement à l'archet. Et on voit vraiment qu'il est penché sur son instrument, il fait vraiment corps. Donc il y a un côté vraiment esthétique, il y a un côté qui est vraiment magnifique à voir. Et donc je l'ai rencontré à l'initiative de Daniel Ameline à l'église de Gaillard pour un concert d'improvisation, orgue et contrebasse, où nous devions improviser sur des psaumes que Ameline avait, avait choisis. Oui. De, de, Daniel Ameline, c'est un, un musicologue, je crois. Alors, il avait, un, il avait un frère jumeau qui est décédé malheureusement, qui était un des grands musicologues français. Et Daniel Hamlin a été professeur de philosophie et de pédagogie à la Sorbonne et à l'Université de Genève. Voilà. voilà. Et donc, j'ai eu la chance de collaborer avec lui parce qu'il est en même temps auteur. Euh, de, de, de paroles liturgiques mais aussi de, de paroles extrêmement poétiques et on a créé ensemble un certain nombre de pièces donc j'ai eu la chance de mettre en musique ces pièces, ces textes et donc lui a organisé il s'occupe des, des concerts de, de Gaillard et euh, donc à cette occasion, donc on a travaillé avec euh, Franck. Et c'est vrai que le courant a passé tout de suite, dans le sens qu'on a vraiment une, une sensibilité, une écoute euh, comme ça, intuitive et spontanée, qui fait que ça, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne très très bien. On ne se dit rien, on s'écoute. Je plaque un accord, il part, je l'écoute, je complète. Et en fait, l'ensemble est vraiment... De, de la vie générale, hein, vraiment très harmonieux. D'accord. Donc, euh, on va pouvoir s'en rendre compte euh, très bientôt. C'est ce samedi, le 4 juin, à 20h30 à la cave Marignac, où nous accueillerons le fameux duo Franck Côté du Moulin et Nicolas Hafner. J'ai intitulé ça « Duo ». Doué et différent. Ben, J'ai pensé que ben, sur un plan promotionnel et marketing, ça vous colle bien à la peau. Et, et Il faudrait peut-être juste nous expliquer en deux mots en quoi va consister le programme. Parce que là, on n'a rien. Hein, dans le, le, la, le flyer est nu et on ne sait pas ce qui va être joué. Alors, découvrez un petit peu la chose pour nous. Au niveau du répertoire, ce sont euh, des compositions de Franck et de moi, donc une alternance, euh, qui sont des compositions structurées, mais... Pour certaines, avec des grandes parts de liberté. Donc, euh, on peut considérer que sur des structures de, de pièces plus ou moins écrites, il y a des pièces qui sont très écrites, donc beaucoup moins. Il y a une grande part à l'improvisation. Et d'ailleurs, ça nous arrive à la fin des concerts de faire des petits jeux avec le public, en, même en préparant comme ça euh, avec le public quelques notes, et puis en proposant une, une improvisation euh, euh, dont la matière première est issue directement des gens, des gens qui sont là. Alors, c'est formidable parce que cette part de liberté dans les pièces fait qu'il y a une interaction avec le public. C'est parce que le public est là qu'il est différent, qu'il réagit comme il est, qu'il est là avec, euh, avec son, ses sourires, son, ses cœurs, euh, qui fait que nous aussi, on joue d'une certaine manière. Donc, euh, c'est vraiment très, 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 très net cette interférence entre le public et l'improvisateur. Bon, très bien. Donc, je vois qu'on peut donner envie au public de venir. Euh, J'aimerais que le public soit le plus curieux possible. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux gens pour leur donner envie de venir L'argument ultime, à part la météo, peut-être Alors, c'est un duo, donc piano-contrebasse, qui est déjà un duo particulier. Hein. C'est un duo des comme différents. Vous allez voir Franck qui est un contrebassiste qui joue de la contrebasse que vous n'avez jamais vu jouer de la contrebasse. C'est vraiment assez fascinant de, de, de le voir jouer. C'est une musique originale, c'est une musique consonante. Donc les gens, euh, le public qui entend cette musique, souvent sort du concert en disant j'ai été euh, nourri, euh, j'ai été rempli de, de belles énergies, de, euh, de belles émotions. Euh, donc je recommande chaleureusement ce concert parce que c'est de la belle musique, euh, il y a ce côté interactif avec le public, ça veut dire qu'on assiste à un concert qui ne sera que samedi. Voilà, qui ne sera que samedi et qui risque peut-être de se prolonger avec une improvisation avec le public. On va essayer de, de mettre ça sur la table et puis d'œuvrer dans ce sens-là. En tout cas, euh, merci aussi euh, de cette approche que vous avez avec les gens. Euh, ça se sent aussi à travers euh, tous les cours que vous donnez, tous les cours que vous proposez, euh, des cours de vulgarisation. Est-ce que tout le monde peut faire de la musique est-ce que tout le monde a les capacités, a le talent pour Tout le monde peut faire de la musique. Ça, c'est une évidence, puisque la musique fait vraiment partie euh, de l'homme, de l'être humain, de la civilisation, de l'humanité. La musique a toujours été, a toujours accompagné euh, l'homme. Alors évidemment, il y a des gens qui ont plus de facilité, par exemple, pour, pour appréhender un instrument de musique. Mais je voudrais juste te dire une chose que j'ai remarquée, c'est la notion de plaisir. Et j'ai remarqué que le plaisir n'est jamais proportionnel aux facultés techniques. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un pianiste joue mieux qu'un autre qu'il aura forcément plus de plaisir. Hein Donc euh, toute personne qui fait de la musique, à n'importe quel niveau que ce soit, Aura toujours du plaisir. Voilà, là je suis vraiment d'accord pour l'expérimenter moi-même en tant que pianiste tout à fait amateur. Euh, J'ai le, le plaisir de, de jouer et de faire plaisir également. Voilà, euh, merci euh, Nicolas Hafner de vous être prêté à ce jeu de l'interview. On va rappeler euh, le concert du duo Franck Côté du Moulin contrebasse Nicolas Hafner piano. Euh, C'est ce samedi 4 juin à 20h30. À la cave, Marignac, on vous y attend très nombreux. S'il faut, on rajoutera des chaises.